Hello, hello, Instagram! J'attends un peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Ah, hello Sarlou! Comment ça va? Hello Miss Pretty! Hello, hello mesdames! Comment allez-vous mesdames? Coucou! Coucou, being sexy. Coucou, mesdames. Comment allez-vous? Hello, Samar. Hello, Céline. Hello. Désolée pour les lives, les derniers lives. J'ai été malade et du coup, bah voilà, j'ai pas pu tenir mes engagements. Hello, hello. Donc, mesdames, écoutez, ça me fait plaisir de vous voir. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Hello, Jamie. Hello, hello. Hello à celles qui nous retrouvent. Donc, aujourd'hui, nous allons parler. J'ai plus de trépied, donc j'essaye de me positionner afin que ça soit stable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui. Oh, merci, merci, Jamie, t'es gentille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui est extrêmement important. Arrêtez de rêver notre vie. Arrêtez de penser que les choses vont changer comme par enchantement. Hello Christine, coucou! Arrêtez de penser que les choses vont changer comme par enchantement. Arrêtez de penser que quelqu'un viendra vous sauver. Arrêtez de penser que votre vie comment dire, que vous avancez dans la vie comme dans un brouillard. Il faut véritablement que vous preniez conscience que vous êtes maîtresse de votre vie. Que vous êtes puissante, bien plus puissante que vous ne l'imaginez. Hello Sylvie, hello à celles qui nous retrouvent. Donc, cette année, alors, mesdames, beaucoup de choses. Déjà, pour celles qui nous retrouvent, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. J'espère que ces fêtes, vous avez profité de ces fêtes. Car il y a du boulot qui vous attend. Nouvelle année, grand changement, grande mesure. J'espère que vous allez prendre de grandes mesures pour que votre vie soit à la hauteur de vos espérances. OK? Que vous arrêtiez, justement, c'est le sujet du live, que vous arrêtiez de rêver votre vie et que vous puissiez vivre la vie de vos rêves. C'est hyper impactant cet adage. C'est peut-être très bateau, mais pourtant ça a tellement de sens. Aujourd'hui, il est temps de prendre votre part du gâteau. Aujourd'hui, il est temps de réussir. Aujourd'hui, il est temps de vous apporter le meilleur. Pourquoi certaines femmes auraient tout, c'est-à-dire l'abondance financière, le fait de faire une activité qui leur plaît, le fait d'avoir un chéri qui les rend heureuses, et que d'autres femmes à côté de ça seraient toujours en train de galérer, que d'autres femmes à côté de ça ne récupéreraient que les miettes avec les hommes, les miettes dans leur vie, parce que quand elles font un travail qui ne leur plaît pas, ben, je considère que ce sont des miettes, elles sont au-dessous de leur potentialité. Le fait de subir avec les autres, des personnes de votre entourage qui profitent de vous, qui vous éteignent, qui ont toujours l'aval sur vous. Le fait de ne jamais pouvoir dire aux yeux du monde votre vraie personnalité. Le fait de ne jamais oser dire celle que vous êtes. Tout ça, c'est vivre une vie en demi-teinte. Et aujourd'hui, je pense que si vous me suivez, si vous connaissez ma manière de fonctionner et de penser, tout est accessible. Tout est accessible à celle qui s'en donnera les moyens, à celle qui commencera à mettre un pied dans la vie, la seconde vie, sa vraie vie qui l'attend. OK? Parce que la plupart des gens, encore une fois, rêvent leur vie. Ils s'imaginent des choses. Alors j'ai vu Rizou qui demande à participer. Je vais t'accepter. Je vais voir si on peut répondre. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que tu voulais participer au live? Ah oui. Et coucou. C'est une erreur? Tu voulais que je te coach? Eh oui, elle a disparu. Ah! Au secours! Bon, alors, comme je vous le disais, on va parler de ces 10 points
10 points qui vont vous permettre justement de comprendre comment faire pour ne plus rêver sa vie, comment faire pour mettre le pied à l'étrier de sa vie. Oui, Nispreti me met, on arrête de rêver notre vie et on va la vivre pleinement. Exactement. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si, mesdames, vous aimez ce que je vous partage, je peux vous garantir que 2024 va déménager. Et j'espère que vous allez être accrochés parce que je vais vous emmener avec moi pour que vous puissiez vraiment prendre votre part du gâteau. Donc, ce premier point que je vais vous partager, alors plusieurs annonces avant de commencer. Première chose, surtout, si vous n'êtes pas inscrite à la masterclass que l'on va donner le jeudi 18 janvier, faites-le rapidement. C'est partagé un peu de partout. Je le remettrai en dessous dans le lien et c'est mis dans ma bio. Comment faire pour donner l'envie à un homme de se battre pour nous? Vous savez, en fait, nous, les femmes, on est toujours dans l'expectative. Encore une fois, ça revient comme corrélation avec le sujet que je vais aborder. Et puis, je vous le dis tout le temps, tout est lié. En fait, on attend des hommes. On attend qu'ils nous donnent, on attend ceci, on attend qu'ils soient plus gentils, on attend qu'ils nous appellent, on attend qu'ils puissent venir nous voir, nous faire des cadeaux, nous faire de gentilles attentions. On attend. On aimerait qu'ils soient plus présents, plus gentils, plus amoureux, qu'ils puissent nous dire plus de choses qui vont dans notre sens, etc., etc. Qu'ils puissent s'engager, qu'ils puissent faire plus de choses. Et puis, ça ne fonctionne pas. On est frustré, on est malheureuse, alors que, en connaissant tous ces apprentissages que je veux vous partager et que je donnerai lors de la masterclass du jeudi 18 janvier, je vais vous expliquer comment faire pour donner l'envie à un homme. Vous voyez la différence quand je dis donner l'envie? Ça va partir de lui et non de vous. On ne force pas les autres. On ne les oblige pas à faire des choses. On leur donne l'envie, la motivation, l'élan nécessaire. On leur donne des éléments qui vont les faire bouger. Et ce n'est pas de la manipulation. C'est le fait de communiquer sciemment avec un homme. C'est le fait de parler le même langage que les hommes. C'est le fait de pouvoir leur donner les éléments nécessaires pour qu'ils comprennent que nous sommes une opportunité. Souvent, quand on sépare avec un homme, on se dit « Oh, c'est tellement dommage. On aurait pu créer une belle histoire. On aurait pu tous les deux, ça aurait pu tous les deux fonctionner. » Ok ? Et souvent, c'est par nos maladresses. Parce qu'on n'a pas su communiquer notre amour. Parce qu'on l'a communiqué maladroitement. On a été en demande. On a été véritablement en désespéré par rapport à ça. Et le fait d'être désespéré n'est pas une énergie qui attire l'autre. Ok ? Donc, comprenez toujours une chose très, très importante. Que c'est par le fait de mettre en place des stratégies différentes que vous aviez mis jusqu'à présent et qui n'ont pas fonctionné, que vous allez pouvoir changer votre situation. On arrête de fantasmer sa vie, on arrête de se dire « un jour, ma vie changera », on met des actions en place très sérieuses, très concrètes, qui ont déjà fonctionné pour d'autres femmes, et enfin, on vit la vie de nos rêves. Enfin, on prend notre part du gâteau. Enfin, on a les beaux cadeaux. Ok ? Donc, cette première chose, donc surtout inscrivez-vous à la masterclass. Encore petit rappel pour celles qui ne l'ont pas, mon livre, Séduire et garder un homme, l'art de l'intelligence féminine. Honnêtement, celles qui ne l'ont pas est une erreur. C'est un manque. C'est dommage que vous ne puissiez pas avoir accès à toutes ces informations. Plus de 300 pages d'explications sur l'intelligence féminine, ce que je vous partage régulièrement. Donc, la première des choses que je vous partagerai, eh bien, c'est d'arrêter d'être dans l'attente, tout simplement. Arrêtez d'être dans l'attente. Arrêtez d'être dans l'attente que l'homme que vous aimez vous donne plus. Arrêtez d'être dans l'attente que les autres soient plus gentils avec vous, que la vie tourne en votre faveur, que vous puissiez tomber sur une opportunité. Arrêtez d'être dans l'attente. Si vous êtes dans l'attente, vous êtes statique, vous êtes bloqué, vous êtes comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied. Ok ? Je ne peux pas
changer ma vie en étant dans l'attente. Je suis dans l'attente qu'ils me disent « je t'aime ». Je suis dans l'attente que mon patron me dise que je suis valable. Je suis dans l'attente que ma cousine me parle mieux. Je suis dans l'attente de trouver une idée de business. Je suis dans l'attente de… Je suis dans l'attente de… Il faut arrêter d'être dans l'attente. On ne nous a pas mis sur terre pour être dans l'attente. On ne nous a pas mis sur terre pour être figé comme ça, par la peur. La peur qui m'arrive ceci, la peur qui m'arrive cela. Mais ce sont des peurs chimériques. Vous comprenez? Ce sont des peurs chimériques. Et bien souvent, quand vous commencez à passer à l'action, ça va commencer à vous galvaniser. Ça va vous commencer à vous faire du bien. Ça va commencer à vous donner la motivation nécessaire pour en avoir plus. Donc, la première des choses que je vous partagerai, c'est arrêter d'être dans l'attente. OK? Vous n'êtes pas productive. Vous ne pouvez pas donner quelque chose. Dans la vie, tout est énergie. OK? Mes étudiantes, yes, Yolande, mais Yolande, tu fais partie de mes étudiantes, donc c'est différent, c'est pour ça. Tu as déjà tout compris. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes dans l'attente, votre énergie est au plus bas. Vous ne produisez rien de bénéfique en termes d'action, probante des actions, mais en termes aussi d'énergie. Et comme dans la vie, tout est énergie, eh bien, vous vibrez tellement bas que vous ne pouvez pas attirer de bonnes choses, de bonnes opportunités, des situations qui puissent vous en donner plus, de la matière qui puisse vous en donner plus. Et la vie attend que vous mettiez le pied dans l'engrenage, que vous passiez la deux dans votre vie pour vous apporter le meilleur. La plupart des gens qui attendent comme ça vivent une vie malheureuse, de frustration. Ils sont dans l'attente, ils sont dans une mélancolie passive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis ni heureuse, je suis ni malheureuse. Sauf que la vie vous demande de vivre. Vous comprenez? La vie vous demande de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Ça veut dire faire des expériences? Ça veut dire partager des choses avec des gens? C'est pas toujours avoir un filet là, au cas où, de mettre des super couches de protection qui sont nulles et qui servent à rien. Dans la vie, dans notre société, on évite la profondeur des sentiments. C'est un truc qu'on recherche. On recherche à connecter avec les autres. On recherche plus d'abondance. On recherche d'avoir une vie d'expansion. Mais surtout, on ne prend pas de risques. On va surtout pas être dans cette profondeur des sentiments. Ça veut dire quoi? On va surtout pas oser faire des choses, passer à l'action, dire celle que l'on est, montrer aux yeux du monde celle que l'on est. Non, 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 si jamais on me rejette. Non, 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 si on me jette des patates. Non, 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 si on ne m'aime plus. Et alors, what else? Continue ta route. Il y a d'autres choses qui t'attendent. Ce ne sont pas les bonnes choses. Si on te rejette, ce n'est pas les bonnes personnes pour toi. OK? Ça, c'est un cheminement complètement différent. Ça, c'est un cheminement déjà qui donne une autre dimension aux situations. Vous n'êtes pas là pour vous suradapter au monde. OK? Et attention, je ne parle pas de personnes qui sont en couple, des efforts qu'il faudrait... Non, OK. On est là en termes d'augmentation de vie, de fait d'en avoir plus dans votre vie. Donc, la première chose que je vous partage, c'est arrêtez d'être dans l'attente. Pourquoi cette attente? Parce que je veux que l'autre me dise « je t'aime ». Je veux qu'il vienne vers moi. Je veux qu'on me donne une opportunité de business, de travail, de fait d'avoir plus d'abondance dans ma vie financière. Je veux qu'on me le donne. Mais dans la vie, on vous dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible, elle dit « donner pour recevoir ». Donner pour recevoir. Je dois donner. Je dois donner en termes d'action, d'investissement en moi, de passage à l'action. Je dois donner. Et donner pour être des micro-risques. Mais vous devez passer, faire autre chose que vous ne faites à l'habitude. Donc, pour cette année 2024, vous devez arrêter de rêver votre vie. Vous devez passer à l'action. OK? Et on ne vous demande pas de passer à l'action dans tout ce que vous faisiez. Parce que moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Ah oui, tu sais Samantha, quand elle vient me voir, elle me fait « Tu sais Samantha, moi, en termes de développement personnel, c'est bon, hein. Oui, je fais du développement personnel depuis 6 ans.
6 mois ou je ne sais pas combien de temps. Je dis, ok, tu fais du développement personnel depuis 6 ans. Ok, c'est bien, c'est bien. Ça t'a donné des résultats? Non, pas encore, mais je le sens. Attente. Je le sens. Attente. Ok. Mais je dis toujours que si tu marches pendant 6 ans dans le désert, tu passes, tu marches pendant 6 ans dans le désert, mais tu es toujours dans de l'expectative. Tu vois que ça ne fonctionne pas, mais tu fais toujours les mêmes choses. Et le développement personnel, c'est bon quand ça vous développe. Le développement personnel, si ça ne vous développe pas, si vous ça ne vous apporte pas des choses vraiment concrètes, faut changer de stratégie. OK? Donc ça, c'est très important. Donc, le premier point qu'on a développé, c'est d'arrêter d'être dans l'attente, de passer à l'action et de chercher les stratégies nécessaires pour que vous puissiez obtenir des résultats. J'essaye des choses, je passe la 2 et j'avance. Oui, mais 40 ans, c'est le bon âge pour changer. 40 ans dans le désert, nice, pretty, mais c'est le bon moment pour changer. 40 ans, c'est stratégique comme année. Donc, attente, on arrête d'attendre, on passe la 2. Si toute ma vie, j'ai fait la même chose et ça ne marche pas, il faut que je me pose des questions. Faut que je me dise, à un moment donné, si je fais ça et que ça ne fonctionne pas, bah, c'est que je ne dois pas être dans le bon chemin. Et pas de, on ne se flagelle pas, on ne se culpabilise pas. Il est encore temps de réajuster les choses. Il est encore temps de mettre des bonnes actions en place. Donc, petit rappel pour celles qui nous retrouvent, venez nous retrouver à la masterclass, où là, bien évidemment, c'est juste un partage. Masterclass, ce sont des formations que je prépare avec mon équipe pour vous permettre de grandir et d'obtenir vraiment la réussite. Ok, on n'est pas là. Je vais boire un peu de café. Je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis quelqu'un qui veut que vous obteniez des réussites dans votre vie. Et pas de blabla, pas de partage, de choses comme ça qui ne restent pas. Il faut que vous puissiez comprendre que on va vraiment aller d'étape après étape. On regarde des vidéos, on regarde des partages, on vient au live, c'est là où ça nous sensibilise. On vient à une masterclass, c'est là où la masterclass, on va plus en profondeur. Et ensuite, on passe à l'action. On prend un apprentissage. Moi, j'ai des étudiantes qui, je vous assure, sont venues pour prendre des enseignements avec moi. Elles ont vraiment fait cet effort de venir pour prendre des enseignements, parce que financiers, parce que X, Y raison. Et ça a transformé leur vie. L'investissement qu'elles ont fait en elles, la consécration qu'elles se sont donnée, à transformer leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles envoient un message fort déjà à la vie, à l'univers. Je vaux ça. Je vaux de l'investissement en moi. Je vaux de mettre toutes les actions qui sont en mon pouvoir pour donner à ma personne la possibilité d'exceller dans ma vie. Une vie d'excellence, une vie de richesse, une vie de bonheur. C'est pas chimérique. Si il y a des personnes qui réussissent, vous pouvez le faire. On n'est pas différentes. En tant que femme, on n'est pas différente. Et vous le voyez, il y a des personnes qui sont parties de très très loin et qui ont transcendé leur vie. Pourquoi pas vous? Pourquoi vous, vous ne pourriez pas le faire? OK? La deuxième chose que je vous partagerai aujourd'hui, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous victimiser. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, si je n'ai pas réussi, c'est parce que j'ai rencontré que des hommes mauvais. Aujourd'hui, si je n'ai pas réussi, c'est parce que les femmes de ma famille, ça ne fonctionnait pas comme ça. Dans ma famille, on croyait pas, on pensait pas que c'était possible. Toutes les femmes de ma famille ont vécu avec des hommes qui étaient durs, maltraitants. Voilà pourquoi ça ne s'est pas produit. Ah oui, bah moi j'ai pas eu de chance parce que j'ai pas pu faire d'études et puis en fait j'ai dû aller travailler très tôt. C'était comme ça. Moi j'ai pas eu de chance parce que l'homme avec qui j'étais me battait et puis du coup ça a cassé complètement ma confiance en moi. Oui, moi j'ai pas. Ok. Ok, donc d'accord. T'as pas eu de chance. Ok, mais tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi? Tu vas continuer à les nourrir, tu vas continuer à les regarder, tu vas continuer à les garder dans ta vie, tu vas continuer à les laisser vivre. Ben non! Parce que toute ta vie,
tu auras peut-être un pansement en te disant que bah, si tu n'as pas eu ce que la voisine ou la femme que tu admires a, c'est parce que tu avais des raisons. Mais tout le monde a des raisons. Tout le monde a un background. Tout le monde a une histoire. Mais aujourd'hui, on fait quoi? On fait quoi? On garde cette histoire? On se dit qu'on n'est pas chanceuse? On se dit qu'on est trop vieille? On se dit oui, mais c'est parce que j'ai 10 kilos. Hein. Moi, quand je perdrai mes 10 kilos, bah, en fait, ça ira mieux avec les hommes. What? Mais non, hein. C'est pas ça le problème. C'est pas tes 10 kilos le problème. C'est pas ton âge le problème. C'est pas ton histoire le problème. Le problème, c'est ta décision maintenant. Là, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et si tu regardes bien, on est quoi aujourd'hui? On est le 27 décembre 2022. Qu'est-ce que tu faisais? Tu disais, allez, ça c'est fini. Hein. Ah ouais. Moi maintenant, nouvelle année, je prends de nouvelles dispositions. Mais ça fait un an là. Ça fait un an. On a un programme qui s'appelle le programme Femme puissante et irrésistible, qui est un programme sur 6 mois. C'est un programme premium. Il y a des personnes qui disent ah ouais, non, mais 6 mois, c'est long. 6 mois, c'est long. Moi, j'ai des étudiantes, elles sont venues me voir. En 3 mois, elles avaient réglé leurs soucis avec les hommes. Elles avaient créé leur entreprise et elles étaient parties dans une trajectoire, à mon avis, inarrêtable. Cette décision dont je vous parlais, cette décision de s'apporter le meilleur, de passer la 2. Mais non, on croit savoir. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on voulait, mais on va se faire confiance du coup, pour le coup, pour savoir ce qu'il faudra qu'on fasse pour l'année d'après. Des fois, il faut dealer avec soi-même. Hein. Des fois, il faut dealer avec soi-même parce que justement, on n'a pas les aptitudes et les compétences pour s'amener où on veut arriver. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention et il faut en fait prendre des accompagnements, des enseignements, des moyens de s'élever. C'est pour ça que la plupart des personnes qui réussissent ont des coachs, prennent des programmes, prennent des moyens de grandir dans leur vie. OK? Donc, arrêtez de vous victimiser. Et plutôt, au lieu de mettre de l'énergie à vous dire que ce n'est pas de votre faute, que vous n'avez pas eu de chance, que les autres sont plus nantis, qu'elles sont plus belles, plus grandes, plus riches, plus jeunes, plus je ne sais pas quoi, elles sont dans un autre pays, Merci Christine. Eh bien, il faut arrêter. Et il faut se dire, ma vie, c'est maintenant. C'est pas quand vous aurez une autre situation plus idéale. Les situations idéales n'existent pas. Les situations idéales n'existent pas. Si c'est un scoop, si c'est quelque chose pourtant de très simple à comprendre, ça n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant où je décide de réussir. Ma vie amoureuse, ma vie de femme, le fait d'arrêter de me goinfrer, le fait de faire du sport, le fait, c'est maintenant. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Il faut passer à l'action et trouver les moyens qui vont nous aider. Parce qu'en tant qu'être humain, on a nos faiblesses. En tant qu'être humain, on est fragile. En tant qu'être humain, on a justement des afflictions qui vont dans le mauvais sens. Et on doit juguler main dans la main avec nous pour nous amener à la réussite. Vous comprenez? C'est pas facile. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Je dis qu'il faut changer. Il faut mettre de nouvelles actions pour vous apporter le meilleur. Donc, on n'est plus dans l'attente que mon prince me sauve, mais on passe à l'action. 2, on arrête de se victimiser. C'est la faute à ma sœur, c'est la faute au kilo, c'est la faute à mon âge, c'est la faute aux hommes que j'ai rencontrés. Non, bullshit. OK? Ça, c'est ce que je dis pour me rassurer. Ça, c'est ce que je dis parce que ça fait moins mal hein, si je dis ça. Il y a une excuse. Se confronter avec soi-même, c'est pas agréable. Se confronter avec soi-même et se remettre en question, ça pique. Mais c'est pour la bonne cause. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous réussissiez. C'est pas se dire, oui, t'es la plus belle, t'es la meilleure, tout va bien, et voilà.
Bah oui, je suis peut-être la plus belle, la meilleure, mais je n'ai pas encore les résultats que je veux. Oh, c'est pas grave, ça viendra. Bon, ok, ça viendra alors. Ok. Non, si tu fais rien, ça viendra pas. Parce que la vie, elle n'est pas contre toi. Tu peux être la plus belle des personnes, la plus gentille, la plus sympa, tout ce que tu veux. Si tu ne mets pas des actions en place différentes, ça ne changera pas. Et on l'a dit au début du live. Pourquoi? Parce que la vie veut que tu vives. Elle veut que tu rentres dans la vie. Tu vois, elle veut que tu fasses des choses. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on est heureuse. On est heureuse parce que l'on vit. Vivre, c'est pas métro, au boulot, dodo. Vivre, c'est pas ça. D'accord? Si quelqu'un l'a cru, il s'est trompé. Vivre, c'est pas métro, au boulot, dodo, week-end. Parce que un week-end, deux week-ends, trois week-ends, quatre week-ends, cinq week-ends, qu'est-ce que j'ai au bout de 10 000 week-ends? Où je l'ai surfé sur Netflix et j'ai perdu mon temps, j'ai gaspillé mon temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces week-ends de l'année 2023? Ben, ils m'ont rien donné. Tous ces week-ends de l'année 2023, ils m'ont donné quoi? Ben, c'était bien. Bon, ben, je vais attendre l'autre week-end. Ben non! Non, non, wake up, réveille-toi. T'as des choses à faire pour ta vie. T'as plein de choses à faire. Faut pas te laisser tomber. Faut pas t'abandonner sur le chemin. Il faut te prendre en main. OK? Donc, arrêtez de vous victimiser. Troisième point, passez à l'action. Tiens, bon, allez, c'est pas grave. Donc, j'ai passé mon année 2023, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? À l'endroit où je suis, on n'a pas dit se comparer aux autres. Hein. On n'est pas les autres. OK? Moi, je fais 1m58. J'ai toujours voulu faire 1m75. Si j'étais restée sur le 1m69, ben quand j'étais plus jeune, hein. Mais si j'étais restée sur le fait de faire 1m75 et que je pensais que c'était foutu parce que je ne faisais pas 1m75, ben ma vie, elle aurait été foutue. On est d'accord. Donc, ça veut dire que arrêtons de penser qu'on serait mieux si on était une autre. On a tellement de potentialités à aller trouver en nous qu'on a du boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est ça, c'est qu'on ne se rend compte jamais. On ne sait même pas qui on est. La plupart des femmes ont plus de focus sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles savent plus de choses sur des stars, la voisine, la copine ou qui vous voulez que sur elles-mêmes. Elles en savent plus sur les autres que sur leur vie. Mince alors, il y a un truc qui bloque. OK? Il y a un truc qui bloque. Parce que moi, j'ai besoin d'œuvrer positivement avec moi-même. J'ai besoin de me connaître. J'ai besoin de m'accompagner. Donc, pour m'accompagner, je dois me connaître. Je dois savoir comment je fonctionne. Vous vous rappelez? Pour dealer avec moi-même. Et pour moi et moi, fonctionner puissamment dans cette année 2024 et m'apporter le meilleur. OK? Donc, on passe à l'action. Quatrième point, on adapte. On a un plan de route. On met tout en œuvre pour atteindre nos objectifs et en cours de route, on adapte. On adapte. On co-crée avec la vie. C'est puissant. On co-crée avec la vie. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette trajectoire. Vous n'êtes pas seul dans cette vie. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont destinés à vous porter. Sauf qu'il faut les rencontrer. Si je marche dans un couloir, c'est-à-dire que si j'œuvre toujours comme d'habitude, vibrations sont basses, j'ai une faible énergie, ok? On ne parle pas d'énergie, de dynamisme, mais on parle de vibrations. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais toujours les mêmes choses que d'habitude. Toujours les mêmes choses. J'attends le changement, c'est ce que je vous expliquais. J'attends que ma vie change. Je ne comprends pas, ça ne change pas. Parce que je vibre tellement bas que j'attire les mêmes choses, les mêmes circonstances, les mêmes événements et bien évidemment les mêmes hommes. Donc pour vibrer plus haut, je dois m'apporter le meilleur. Je dois commencer à mettre en place de nouvelles actions, commencer cette émulsion nécessaire pour activer le processus et ensuite adapter les choses. J'adapte les choses. Je réajuste mon tir. Je vais fonctionner petit à petit avec beaucoup de pertinence, avec beaucoup de dextérité, une vision
qui me permettront de toujours progresser positivement et de ne pas me laisser décourager. Parce que c'est ça, en fait. On a beaucoup de bonnes ambitions, on a beaucoup d'envie de réussite, et ça, c'est légitime. Mais qu'est-ce qui se passe? On se décourage. La plupart des femmes vont se décourager parce que on n'est pas, en fait, dans... On se demande quand est-ce que ça va venir, quand est-ce que je vais obtenir ce que je me suis fixé, etc., etc. Donc, en adaptant au fur et à mesure, vous allez profiter du chemin. Vous allez vivre cette progression qui sera salvatrice pour vous. Je ne sais pas si tout le monde me suit, si tout le monde me comprend, mais cette progression, elle est nécessaire. Et en chemin, ça vous rend heureuse. Ça vous donne beaucoup de baume au cœur. Parce qu'encore une fois, l'objectif, là, on sort de Noël, l'objectif n'est pas de vous apporter les beaux cadeaux sur un plateau d'argent. Vous ne seriez pas, non seulement vous n'apprécieriez pas, mais en plus, vous n'arriveriez pas peut-être à le garder. Vous voyez, comme si c'est la même façon si je vous dis, demain, alors pour toutes celles qui sont dans le chat, demain, je vous livre la situation idéale. L'homme de votre vie, le parfait gentleman, nanana. Mais si vous-même, vous n'avez pas cheminé, si vous-même, vous n'avez pas progressé, vous n'êtes pas devenue cette femme optimale qui sera capable de le garder, eh bien, ça ferait comme la citrouille avec Cendrillon, vous n'auriez plus rien. Vous retomberiez avec le carrosse. Enfin, vous retomberiez avec la citrouille et vous n'auriez plus le carrosse. Et ni le prince charmant. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, tout s'imbrique, tout a une raison d'être et tout a une importance. Donc, ne statuez pas trop vite sur votre compte. Ne pensez pas que si vous reproduisez les mêmes actions qu'en 2023, 2024 sera changeant. Non, ce sera la même chose. Et vous vous laminerez encore en vous disant « Moi, j'ai pas de chance, c'est les autres qui ont contre moi, les autres femmes réussissent mieux, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi ?» Alors que simplement, c'est juste une prise de conscience. Donc, premièrement, on arrête l'attente, ok? Deuxièmement, on arrête de se victimiser. On passe à l'action. On s'adapte. On n'est pas, cinquième point, on n'est pas perfectionniste. C'est ce que je vous disais. On n'est pas perfectionniste. Il vaut mieux faire et mal faire que pas faire du tout. Très important. Encore une leçon qu'il faudrait développer. Il vaut mieux faire et mal faire que pas faire du tout. Là, on est en train de travailler sur un gros projet. Et j'étais en train de visionner les premières vidéos. J'y vais pas souvent, mais je revisionnais mes premières vidéos. Oh, what? C'était amusant, mais ça fait partie du chemin. Ça me fait vraiment plaisir de revoir mes premières vidéos. J'en ai pas honte. Ça fait partie de ma progression. Et ça, c'est précieux. C'est précieux, ça. C'est un vrai cadeau. Parce que c'est ça qui me rend heureuse. Encore une fois. Le bonheur ne s'attrape pas dans une pochette surprise. Le bonheur, c'est ce que vous vivez. Le bonheur, c'est ce que vous expérimentez. Personne ne peut vous le prendre. Mais si vous arrivez à rentrer dans cette mouvance, si vous arrivez à prendre le pas, waouh, vous allez être une nouvelle femme. Et c'est ce qui s'est produit avec mes étudiantes, c'est ce qui se produit. Elles sont totalement différentes. Mais un changement tellement bénéfique qu'elle s'ouvre des portes, comme un jeu vidéo, vous savez. Parce que sinon, vous restez au même jeu vidéo, au même niveau du jeu vidéo. Moi, je ne joue pas au jeu vidéo, mais mes fils, ils jouent, et vous allez rester au même niveau. OK? Et nous, ce qu'on veut, c'est passer au niveau supérieur. Tac, 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 tac. Et pouvoir obtenir les belles choses. Sixième point, l'environnement, mesdames. Très important, l'environnement. Quel est votre environnement? Quand on veut progresser, quand on veut s'amener au niveau supérieur, on doit avoir de la nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, de la nourriture différente qui puisse nous remplir, qui puisse remplir notre fût. OK? On ne veut pas être des coquilles vides. On ne veut pas être des coquilles vides. On veut être des femmes qui ont de la matière, qui ont de quoi donner aux autres. OK? Je vous rappelle ce que je vous ai partagé en interstice dans ce live. Donner pour recevoir.
Donnez pour recevoir. Vous donnez dans la vie pour recevoir. Vous donnez pour recevoir. Et pas le sens contraire où la plupart des gens disent « Ah non, non, j'attends de voir ce qu'il va faire. Hein, et après, je fonctionnerai. » Mais vous pouvez attendre les deux longtemps. Hein. J'attends, t'attends, j'attends, t'attends. Ça donne rien de bon. Non, ça donne rien de bon. Il faut passer à l'action. Il faut être votre meilleure supportrice. Donc, il faut que vous, vous puissiez faire des choses, prendre des risques. OK? Et c'est ce qui m'amène à l'environnement. Si c'est dur pour moi, si moi autour de moi, ben, j'ai pas les exemples autour de moi, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes amis. Mes amis, elles me disent, oh, allez, arrête de rêver, hein. Les hommes bien, maintenant, à notre époque, moi, je te dis, il n'y a plus d'hommes bien, ils sont tous pris. Ouais, mais les hommes bien, il n'y en a plus, nanana, nanana. Ah oui, mais tous ceux que tu rencontres, c'est des pervers narcissiques. Hein. Ben, c'est sûr que c'est dur. Parce que tu te dis, c'est tes amis, tu as de l'affliction pour elles, tu as des sentiments, c'est ta mère. Ta mère, elle a toujours été malheureuse en amour. Elle est toujours tombée sur des pauvres gars, des pauvres types. Et puis, tu vas aller la voir et lui dire tes bobos, tes malheurs, tes maux. Qu'est-ce qu'elle peut te dire? Même si c'est la plus gentille des mamans, bah, elle va te dire, bah oui, je te comprends tellement. Et elle va corroborer tout ça. Et vous, vous allez faire une croyance de ça et vous continuerez à faire votre année 2024 avec ces idées. Donc, on doit aller chercher de l'élément nécessaire. C'est pour ça que les plus grands se font coacher, les plus grands se font accompagner. Pourquoi Michael Jordan, il a besoin d'un coach? Et Michael Jordan, c'est un type emblématique, mais il se fait coacher. Ben oui, parce qu'il sait que lui, il peut être en défaillance. Lui, il sait que lui et lui, parfois, il est fatigué. Parfois, il n'a pas l'énergie. Parfois, il n'a pas... il est en bad mood. Même Michael Jordan, même n'importe qui entre nous, des fois, on est en bad mood. On a besoin d'éléments, on a besoin de méthodes, on a besoin de recentrage, on a besoin de pas à pas, hein, un squelette qui nous permette d'avoir une vision concise pour nous accompagner. Et c'est pour ça qu'on propose des programmes, c'est pour ça qu'on propose des accompagnements, pour s'élever dans notre vie de femme. Et pas se dire, moi, je réussis. Donc, moi et moi, pour l'année 2023, on n'a pas obtenu les résultats qu'on voulait, mais 2024, on va les obtenir, oui, c'est sûr. Ça, c'est d'être dans l'attente. Ça, c'est chimérique. Ça, c'est fantasmer sa vie et pas être dans le monde concret. OK? Donc, on fait attention à notre environnement. Et si on n'a pas un bon environnement, on vient s'équiper avec de la motivation. On vient s'équiper avec des enseignements. On vient s'équiper avec des programmes, avec des femmes qui vont vous donner la direction nécessaire pour que vous puissiez obtenir le meilleur. OK? Septième point, on apprend à viser haut. Ce n'est pas parce que vous visez bas que vous allez réussir votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes beaucoup plus conciliante, arrangeante, que vous avez des standards, vous rabaissez vos standards, encore faut-il en avoir bien sûr, mais que les choses se passent mieux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Par exemple, je suis avec un homme et puis c'est pas bien. Je le sais. Au fond, je sais. Ça va pas. Ça va pas. Il y a plein de choses qui vont pas. Mais je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Ben, je vais rien dire sur ça. Ça passera mieux. Si je dis rien et si je fais pas trop de bruit, ça passera mieux. Il m'aimera mieux. Ça fonctionnera mieux. Non. Que nenni. Une erreur absolue. Ce n'est pas en mettant les choses sur le tapis, sous le tapis, que ça fonctionne mieux. Il faut mettre les mains dans le cambouis de sa vie. Il faut faire face aux problèmes. Il faut être courageuse pour votre vie. Je disais dans mon groupe de femmes puissantes, je disais, courageuse, c'est pas quand tu fais ton ménage. Hein. Il n'y a pas que ça hein, quand tu es courageuse. C'est pas quand tu dis, tiens, il faut que je refasse tout mon ménage dans la maison ou je vide mes placards et tout. Non, courageuse, c'est quand tu dis non, quand tu dis stop, quand tu mets les bonnes actions en place pour toi, quand tu prends des risques. C'est ça, courageuse. OK? Donc, visez haut, mesdames, parce que si vous visez bas, c'est pas gage de réussite, au contraire.
Ensuite, le huitième point, il faut que vous ayez une tolérance zéro. Tolérance zéro. Coucou Nour, il faut que vous ayez une tolérance zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, la vie, elle est sérieuse. Votre vie, mesdames, elle est sérieuse. C'est la chose la plus précieuse que vous ayez au monde. Vous êtes la femme la plus importante de votre vie. Que tout passe par vous. La réussite, les beaux cadeaux, les actions. Vous êtes le vecteur de votre réussite. OK? Donc, si vous êtes tolérante, si vous êtes dans la récompense immédiate, qu'est-ce que c'est la récompense immédiate? La récompense immédiate, c'est le week-end. J'attends mon week-end pour me divertir. J'attends j'attends de le voir pour qu'on passe un bon moment et c'est déjà le top. J'attends, je mange mon brownies au chocolat parce que j'en ai trop envie. C'est la récompense immédiate. La récompense immédiate, c'est le plaisir fugace. C'est le truc qui me fait du baume au cœur. C'est le pansement sans ma douleur. C'est la petite chose qui va me rassurer. Mais c'est justement l'erreur fatale. L'erreur fatale. C'est la chose qui va vous nuire d'une manière extrême. Soyez sérieuse avec votre vie. Je ne pourrai jamais vous dire autre chose que votre temps est précieux. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre pour passer à l'action. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire un jour, les choses changeront. Un jour, je passerai à l'action. Un jour, je ferai ça. Ça, c'est vraiment la pire des erreurs. Si vous-même, vous n'êtes pas votre plus grande alliée, votre plus grande supportrice, qui va le faire? Qui va le faire? Les gens avancent avec leurs douleurs et leurs frustrations. Les gens avancent avec leurs peurs, leurs doutes, leurs préoccupations. Vous êtes seul dans la vie. Dans la vie, vous êtes seul. Alors oui, on a notre famille, on a notre entourage, on a notre conjoint, on a nos enfants, on a tout ça. Mais dans la vie, vous êtes seul à agir. Vous êtes seul à prendre des décisions. Vous êtes seul à faire les bons choix. Souvent, à la fin de mes mails, je signe « La vie est un choix ». Choisis la récompense immédiate ou tu choisis le cadeau d'après, le plus beau cadeau qui va rester dans ta vie. Tu dis oui à un homme pour ne pas être seul, la récompense immédiate, parce que comme ça, tu seras avec quelqu'un. Comme ça, tu auras quelqu'un avec qui partager des instants. Mais est-ce que c'est le bon homme? Est-ce que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que c'est l'homme qui va te faire vibrer? Est-ce que c'est l'homme qui te fait rêver? Est-ce que tu vises haut pour ta vie? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, pas de tolérance. On a du pain sur la planche. On a du boulot. Notre vie est précieuse. Et aujourd'hui, si vous voulez faire de votre année 2024 une année d'excellence, une année de réussite, une année où vous pourrez revoir, comme je vous disais, je revois mes anciennes vidéos avec beaucoup d'émotion et de joie, eh bien, il faut que vous passiez à l'action. Quand, vous voyez, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai eu mon troisième fils en même temps, il ne dormait pas. Donc, je l'ai expliqué, celles qui me suivent, celles qui me connaissent, elles le savent. J'en parle parce que ça a été dur. Ça a été dur. Quand vous avez deux autres garçons, pour les mamans, elles savent. Vous avez un business à lancer. Vous avez... je ne faisais pas un copier-coller sur un ordinateur. Pas un copier-coller sur un ordinateur. Et que tu dois tout apprendre. Ben, les vidéos, je les ai peut-être recommencées. Je sais pas, mais je disais 30 fois, 40 fois. J'aurais pu me dire, allez, j'en ai trop marre. Je vais me mettre une série Netflix et voilà. Ça m'aurait diverti. J'aurais regardé un film à l'eau de rose, comme j'adore, un film romantique. Et puis voilà, ça m'aurait changé les idées. Mais je veux pas me changer les idées, moi. Je veux rentrer dans le dur. Je veux faire les choses qui m'ont compté pour moi. Parce que cette vidéo YouTube là, d'il y a 4-5 ans, ben je la regarde et elle me nourrit tout le temps. Je la regarde,
encore et encore et elle me nourrit. Elle me remplit de joie. Et quand vous faites ça successivement dans votre vie, vous avez une autre teneur dans votre vie. Vous avez une autre dimension dans votre vie. Vous avez une autre, d'autres émotions qui ressortent. Et pas quand vous fermez la télé, là, vous fermez Netflix, on revient à la réalité. Et on se dit, what? Je fais quoi maintenant? Vous ne pouvez pas vous cacher toute votre vie. Vous ne pouvez pas toute votre vie mettre des pansements. Il y a un moment donné, il faut mettre les mains dans le cambouis dans sa vie. Et à un moment donné, il faut faire ce qu'il y a à faire pour vous apporter le meilleur. Et quand vous faites ça, je peux vous garantir que vous êtes la gagnante de l'histoire. Même si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous vouliez, vous êtes déjà la gagnante. Le dernier point, et je l'ai dit avant même de le lire, c'est cette résilience. Cette résilience avec ce qui vous attend après. Et là, pour le coup, vous êtes dans une attente productive parce que vous mettez en place les bonnes actions. Et le dernier point, c'est bien évidemment nourrir votre foi. Et pour nourrir sa foi, on a besoin d'avoir des éléments, de la nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, pour nourrir notre foi et pour pouvoir nous porter loin, pour pouvoir nous accompagner. Donc, mesdames, j'étais ravie de faire ce live avec vous, toujours aussi passionnée. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais. J'adore. J'ai vraiment... C'est plus grand que moi. C'est souvent comme ça. C'est quand c'est plus grand comme vous, que ça vous anime, que ça vous habite, que je pense vous partagez vraiment le bon message. J'espère que ça vous a plu. Surtout, mesdames, n'hésitez pas à vous... J'espère que vous n'allez pas rater la masterclass. J'espère que pour celles qui ont envie de passer déjà la 2, elles vont candidater au diagnostic offert afin de vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet avec elles et qu'on puisse leur apporter tout ce qu'on apporte à nos étudiantes. Beaucoup de choses s'en viennent pour 2024. J'ai plein de surprises à vous annoncer. Si vous n'avez pas vu la recette sur YouTube, petit aparté, j'ai fait une recette pour un dîner en amoureux. Allez la visionner. Et puis, mesdames, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve sur YouTube à 18h30 pour un nouveau live aussi. Je reprends tous mes lives. Je reprends tout ce que je partageais pour vous et ce que j'essaye de vous apporter. Mesdames, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.